Bonjour, chers élèves de 9e. Après 2 semaines de révision, je vous propose de travailler sur le texte de la première leçon du manuel de l'édition Corinthe, la leçon Encore devant la télé. Je vous invite donc à faire une première lecture de texte afin d'en comprendre le sens global et puis une deuxième par fragment qui vise la compréhension détaillée au cours de laquelle on va identifier les mots et les syntagmes qui pourraient vous empêcher de saisir les subtilités du message. D'accord? On commence. Le magazine d'information générale Phosphore s'adresse aux adolescents. Les 16 et 18 ans le lisent avec intérêt. On peut en juger d'après le courrier abondant que les rédacteurs reçoivent tous les mois. Dans la rubrique « Est-ce que je peux en placer une? », Frédéric Mounier répond aux questions des adolescents et observe leur comportement. Encore devant la télé, ça c'est la phrase qui tue, la phrase que tu connais par cœur, que tu peux deviner avant même qu'elle ne soit prononcée. Comme d'hab, tes parents rentrent à la maison et te découvrent affalé, comme ils disent, sur le canapé, devant l'une de tes séries favorites. Ça suit le serment habituel sur le temps perdu, tu ne se rattrapes pas sur la nécessité de bosser pour plus tard trouver du boulot, sans oublier l'inévitable. Et ça fait combien de temps que tu es là à ne rien faire? Résigné, tu te déplies, tu relèves et regagnes ta chambre, la tête basse et le verbe haut ou l'inverse, ça dépend des jours et de l'humeur. Comment leur faire comprendre les 8 heures bahut, les transports, la cantoche dégueulasse, la dernière fête pas digérée, etc. Bref, il faut décompresser, quoi, non? Si, bien sûr, mais laisse-moi juste te dire qu'un vieux, ça fatigue aussi, ça rentre crevé du boulot aussi. Et en plus, ça panique vite. Et oui. Sur ces dehors bétonnés, bien sûr, trappeurs, métro, boulot, dodo, un parent, c'est un être fondamental inquiet pour toi, le rejeton. C'est sa manière à lui de t'aimer, de te le dire, en fait. Alors, ce soir, quand ton tour te trouvera tes vieux affalés devant le petit écran, n'hésite pas à t'inquiéter pour eux. Ils te répondront quelque chose du genre. Pas encore couché? On ne se refait pas. Après une première lecture du texte, on constate le langage familier utilisé, l'abondance de mots et d'expressions qui appartiennent au registre familier. Mais ce type de langage utilisé par Frédéric Mounier, celui qui répond aux questions des adolescents, suggère une certaine implication affective de celui qui parle. Il utilise ce langage, en effet, pour s'approcher du public auquel il s'adresse, pour créer un lien entre les générations, parce que tout le monde sait que les adolescents adorent parler autrement en utilisant des mots particuliers. On commence donc la deuxième lecture du texte par fragments, cette fois-ci. Le magazine d'information générale Phosphore s'adresse aux adolescents. Les 16 et 18 ans le lisent avec intérêt. Jusqu'ici, pas de problème de vocabulaire, je crois. On peut en juger d'après le courrier abondant que les rédacteurs reçoivent tout le mois. Ici, on a deux mots à expliquer. Il s'agit du verbe juger qui signifie porter un jugement de valeur sur quelqu'un ou sur quelque chose. Penser ou estimer. Le mot reçoivent qui représente la troisième personne du pluriel du verbe, de l'indicatif présent du verbe recevoir, antonyme du verbe envoyer, verbe qui signifie entrer en possession de ce qui est remis ou offert ou envoyé. Dans la rubrique « Est-ce que je peux en placer une? », Frédéric Mounier répond aux questions des adolescents et observe leur comportement. Je considérais que cette phrase, qui représente le nom de la rubrique, pourrait créer des difficultés, poser des problèmes de compréhension aux élèves et je les reformulais. Est-ce que je peux en placer une? Pourrait être reformuler, est-ce que je peux placer une question? Oui, une question à laquelle quelqu'un pourrait me répondre. Donc, dans le premier fragment, on a
On parle, on a parlé du magazine Phosphore et je voudrais m'arrêter un petit peu ici parce que c'est une question de culture générale. Il s'agit d'une publication française et très appréciée par le public jeune. Cette publication s'adresse aux lycéens à partir de 15 ans et se réjouit d'un grand succès grâce à ses rubriques qui suscitent l'intérêt des ados. Musique, littérature, mode ou loisirs ou bien réussite scolaire. La revue contient aussi une rubrique de questions-réponses qui constitue un point d'intérêt pour les lycéens. On continue la lecture du texte. Encore devant la télé, ça c'est la phrase qui tue, la phrase que tu connais par cœur, que tu peux deviner avant même qu'il ne soit prononcé. Bon, ici, le verbe tuer, au sens propre, signifie en effet causer la mort de quelqu'un, mais contextuellement, il peut être expliqué, épuiser quelqu'un physiquement ou moralement. La phrase que tu connais par cœur, la phrase que tu sais par cœur, il s'agit d'une expression idiomatique, connaître par cœur, acheter pédéros, donc acheter connaître très bien, oui, en mémorisant parfaitement quelque chose, que tu peux deviner même, avant même qu'il ne se prononce. Deviner, le verbe deviner, ça signifie trouver par intuition, agici. Et j'ai reformulé la dernière phrase que tu peux deviner avant même qu'elle ne soit prononcée, que je considère un peu compliquée pour la neuvième, que tu peux prédire avant d'être prononcée. En effet, comme d'hab, tes parents rentrent à la maison et te découvrent affalé, comme ils disent, sur le canapé, devant l'une de tes séries favorites. S'ensuit le sermon habituel sur le temps perdu qui ne se rattrape pas, sur la nécessité de bosser pour plus tard trouver du boulot, sans oublier l'inévitable. Et ça fait combien de temps que tu es là à ne rien faire? Voilà, dans ce fragment, il y a beaucoup de mots et d'expressions qui pourraient poser des problèmes, qui exigent en effet une attention particulière. Tout d'abord, comme d'hab, ça signifie comme d'habitude, c'est un langage familier. Le verbe rentrer, qui signifie revenir, il rentre à la maison, il revient à la maison donc. Et tu découvres affalé. Affalé, signifie coucher ou allonger d'une manière négligée. Oui, tolanite, oui, en roman. Ça suit le sermon habituel sur le temps perdu qui ne se rattrape pas, sur la nécessité de bosser pour plus tard trouver du boulot, sans oublier l'inévitable. Bon, le sermon habituel sur le temps perdu qui ne se rattrape pas, ça signifie le discours moralisant des parents, oui, qui veulent toujours corriger le comportement de leurs enfants. Sur le temps perdu qui ne se rattrape pas, le verbe rattraper qui signifie reprendre, oui. Bon. Et bosser, le verbe bosser qui signifie travailler dur. Oui, et ici, en contexte, bosser, ça signifie étudier sérieusement pour plus tard trouver du boulot, pour plus tard trouver du travail, oui, de l'emploi, sans oublier l'inévitable. Et ça fait combien de temps que tu es là à ne rien faire, c'est-à-dire, tu es là depuis combien de temps? Résigné, tu te déplies, tu relèves et regagnes ta chambre, la tête basse et le verbe haut ou l'inverse, ça dépend du jour et de l'humeur. Tu te déplies, le verbe se déplier, ça signifie s'étendre, oui. Bon, et regagne ta chambre, regagner sa chambre, ça signifie aller dans sa chambre, retourner en effet dans sa chambre, oui, tu te relèves et retourne. Dans ta chambre. La tête basse,
c'est-à-dire en éprouvant du désagrément, oui. Et le verbe ça signifie par l'effort, oui, à protester. On sait très bien que les adolescents protestent toujours contre leurs parents et contre le serment des parents, oui. Ils n'aiment pas les reproches des parents et ils protestent. Comment leur faire comprendre les odeurs bayou, c'est-à-dire au lycée, oui, le transport, la cantoche de gueulasse, c'est-à-dire la cantine repoussante, la cantine sale, oui, la dernière fête pas digérée. Voilà les problèmes des adolescents. Ils sont très sensibles aux événements de leur vie, aux événements sociaux, aux problèmes de l'école, aux problèmes qu'ils rencontrent au lycée, par exemple, ou lors d'un événement social. Comme par exemple une fête. Oui? Bon, bref, il faut décompresser, c'est-à-dire il faut se détendre, se relâcher. Oui? Quoi, non? Si, bien sûr, mais laisse-moi juste dire qu'un vieux, ça fatigue aussi, ça rentre crevé du boulot aussi. Et en plus, ça panique vite. Et oui, c'est dehors bétonné, bien sûr, tout rapport, mettre au boulot de dos. Un parent, c'est un être fondamental inquiet, pour toi, le rejeton. C'est sa manière à lui de te le dire, en fait. Bon, laisse-moi juste dire qu'un vieux ici est utilisé au sens de parent. Comme parent, ça fatigue aussi, ça rentre crevé, c'est-à-dire extrêmement fatigué, épuisé du boulot aussi. Et en plus, ça panique vite. Et oui, c'est dehors, bétonné, dehors, son apparence, oui. Bien sûr, ton rapport, mettre au boulot de dos, un parent, c'est un être fondamental inquiet pour toi, le rejeton. Mettre au boulot de dos, l'expression en rouge, représente une expression symbolique pour le français moyen, pour la vie quotidienne dans le français. C'est une critique, en effet, de la monotonie et de la répétition d'un trajet vers le travail le matin. Qui est suivi par une journée de travail et puis le retour à la maison pour dormir. Et, les trois mots signifient métro, le trajet vers le travail le matin, boulot, la journée de travail et dodo, retour au domicile, et nuit de sommeil. Le rejeton ici, c'est un mot familier qui est utilisé au sens de enfant, fils. Bon, alors ce soir, quand tonton te trouvera tes vieux affalés devant le petit écran, n'hésite pas à t'inquiéter pour eux. Ils te répondront quelque chose du genre. Pas encore couché, on ne se réfère pas. Ici, on a le verbe s'inquiéter, oui, qui signifie éprouver du souci, c'est un grigora, je vois grige. Et la question est l'éthique, pas encore couché, qui signifie tu ne t'es pas encore couché, oui. Et la dernière phrase du texte, on ne se réfère pas, qui signifie on ne change pas vraiment ses habitudes. Maintenant, je considère que tout est clair. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.